Aujourd'hui, je vous présente le catalogue de Lidl valable du 24 au 30 octobre. Puisque je suis allée donc dans un magasin Lidl il y a quelques jours. Oui, c'est ça, quelques jours. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Avec donc des médaillons de dinde aux herbes, des suprêmes de pintade, des hachés de porc façon savoyarde, des côtes de porc première, un rôti de veau farci aux olives, des filets de poulet XXL, des escalopes de dinde et des cuisses de poulet. Et comme souvent dans les catalogues Lidl, il y a un petit encart poisson, on ne sait pas pourquoi il est là, avec des filets de cabillaud façon Pigeon Chips. Alors, ça, ce sera passé d'ici que je vous montre. Donc, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler directement ici des légumes. Donc, on a des bananes, des avocats, des endives, des pommes de terre, des pommes granny et de la mâche. Alors, au fait, j'ai oublié de vous dire que là, moi, j'achèterai rien parce que je ne mange pas de viande, mon chéri ne mange quasiment aucun des morceaux qui est proposé. Et le poisson qui est là ne m'intéresse pas. Alors ici par contre, les bananes, ça c'est possible que je les achète parce qu'on en mange beaucoup à la maison. Pareil pour les avocats, après à voir. Parce que des fois il y en a qui sont pas très bons. Les endives, je sais pas, un truc que j'adore. Et j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps, donc non. Les pommes de terre, je ne pense pas non plus parce que j'en ai encore. Les pommes granny, j'aime pas trop, donc non. La mâche, par contre, là, vu le prix et vu la quantité, je pense pas que j'achèterai la bio. Donc, du coup, non plus. Ensuite, ça, c'est spécial 24 octobre. Donc, non. Là, pareil. Donc, non. Ah, c'est dommage parce qu'en plus, j'ai envie de faire une raclette. Pour ne rien manquer, les sites majeurs de l'Est américain à voir ou revoir pour un voyage inoubliable. Programme du circuit France, New York, Harlem, Hartford, Boston, Newport, Edison, Philadelphie, Washington, le pays Amish, New York, France. Donc les grands moments, le quartier d'Harlem et de Brooklyn, promenade dans le campus de l'université d'Harvard, visite guidée d'une ferme et d'une maison Amish, balade sur la Freedom Trail pour découvrir les quartiers de Boston. Excursion en option, extension de deux nuits à New York. Période de départ d'avril 2019 à octobre 2019. Donc il faut réserver, pas maintenant parce que sinon il n'y en aura plus. Blablabla. Départ de Paris le 6 avril. Détails de l'offre. 400 euros de frais de dossier, transport aérien, blablabla, petit déjeuner, à partir du jour 2. On vous propose une assurance annulation et une assurance santé. Alors par contre, moi, si vous voyagez en Amérique du Nord, je vous conseille très fortement l'assurance santé parce que les frais médicaux là-bas coûtent extrêmement cher. Et ne sont pas du tout couverts. Quand je dis extrêmement cher, ça se compte très vite en milliers d'euros. Donc voilà, si jamais vous êtes amené à y aller, prenez bien une assurance.
pense. Du fromage fondu en tranches. Alors ça, par contre, ça pourrait être possible que j'en achète parce que mon amoureux, il en mange très souvent et qu'il est pas cher du tout. Alors nous, on prendra probablement. Alors hamburger, si jamais c'est pas cheddar, si c'est nature, ou alors croque-monsieur, je verrai avec lui si ça m'intéresse. Les gnocchis à poêler, pouf, non. Le Saint-Nectaire, pouf, non. Les soupes Knorr, non. Le muscat de Rivesaltes. Ça avait l'air pas mal. Alors il y a 20 bigoudis, donc deux tailles.
diffuseur pour un séchage doux et plus de volume. 3 températures, programme froid. Donc cordon rétractable à jetty, embout concentrateur pour diriger le flux d'air avec précision. Technologie ionique, effet antistatique, cheveux soyeux. Voilà, voilà. Ensuite, un sauna facial. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Franchement, si vous voulez vous ouvrir les pores, vous faites chauffer une casserole d'eau, vous mettez un bol d'eau, et puis vous mettez votre tête dessus, mais ça coûte 10 fois moins cher que ça, et c'est bon, quoi. Donc ça, non merci. Mais bon, ce que ça intéresserait, intensité vapeur réglable de niveau de puissance, diffuseur complémentaire pour les deux embouts, pour une utilisation avec des herbes ou des plantes aromatiques, ça peut être pas mal. Donc un embout vapeur pour le nez, idéal pour les inhalations. Donc voilà, nous on a un truc inhalation tout con avec un bol et un espèce d'ouverture en plastique. Un grand bout pour le visage, ouvrir les pores. Donc ça, non merci. Après, j'ai peut-être eu un ton un peu condescendant, mais c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai des produits, je sais que les gens ils les achèteraient pas forcément. Et ça, peut-être que vous allez l'acheter. Et moi jamais j'achèterai ça. On vit chacun sa vie. Hein. Je me permettrai pas de juger ce que vous faites chez vous. Miroir grossissant. Donc moi ça m'intéresse pas, mais voilà, à voir si ça vous intéresse. Boîte à bijoux avec miroir. Pas le design est sympa, mais ça a pas l'air pratique, donc non. Serviette turban en microfibre. Alors ça pourrait m'intéresser, mais en fait j'en ai déjà une. Moi j'utilise ça à la piscine. Mais au final, maintenant que j'en ai déjà une, ben, j'en rachèterai pas. Mais celle-là, elle est moins chère, je crois, que celle que j'avais achetée chez Decathlon. Donc si ça vous intéresse, regardez ça. Alors des collants ou leggings thermiques. Collants thermiques, leggings thermiques. 4 euros la paire. Isolation thermique grâce à l'intérieur en entissé. Alors ça faudra que j'aille voir si j'ai le temps. Parce que ça pourrait m'intéresser. En ce moment je cherchais des leggings pour mettre sous des robes. L'hiver, donc à voir. Collant fin à motif. 2,99€. Ça j'aime pas trop. Collant simple, 3,49€. J'en mets pas tant que ça, donc je vais rester avec ce que j'ai. Jambière ou chaussette montante, ça c'est ultra mignon, je trouve, sur des adolescentes. Moi le problème c'est que j'ai un chouïa passé l'âge, quoi. Mais alors vous avez une adolescente ou une enfant qui rentre là-dedans, mais foncez lui acheter. 2,49€, c'est ultra mignon. C'est quoi ça là? Est-ce que c'est la densité? Dans quel, auquel cas ça veut bien dire que ça, c'est très épais par rapport à ça ou ça. Mais alors sinon, je sais pas. Donc voilà, à voir si j'ai le temps d'aller regarder s'il y en a en magasin. Alors, un fer à repasser vapeur. Bon, nous on n'en a pas besoin, mais si ça vous intéresse, il y a celui-là avec un système anti-gouttes, anti-calcaire et auto-nettoyage, arrêt automatique de sécurité avec signal. Vous avez une petite table à repasser pour aller avec si ça vous dit. Et ici, une housse avec des petits lamas trop mignons. Parce que ça, franchement, c'est un design, c'est pas beau. Je suis désolée, moi j'aime bien le rose, j'aime bien les papillons, mais ça, c'est pas beau et ça fait kitsch. Par contre, ça, c'est ultra mignon. Avec les petits lamas, je trouve ça trop pipi. Donc voilà. Ensuite, une centrale vapeur. Deux fonctions de jet vapeur, vapeur horizontale, vapeur verticale. Max 2400 watts, pression vapeur, environ 3 bars, débit de vapeur, réglable 90 grammes par minute. Alors nous, un jour, on investira dans une centrale vapeur, mais pas pour l'instant. Ça, c'est le genre de choses que j'achèterai dans 5 ou 10 ans, quand j'aurai acheté une maison. Hein. Voilà, parce que pour l'instant, j'économise pour acheter une maison. Donc, voilà, voilà. Donc ça, quand j'aurai acheté une maison, et puis que je serai un peu plus tranquille au niveau du remboursement de l'emprunt, bah, on achètera ça. Mais pour l'instant, ça attendra. Alors, un étendoirage, un étendoir à linge, 2 en 1, elle amovible réglable pour les épaisseurs de parois. Alors, moi j'en ai un comme ça, mais qui est mieux, parce que là, il y a un espèce de repli sur le rebord qui permet d'avoir quelques rayons en plus, et d'avoir un espèce de rack à chaussettes. Et ça, franchement, c'est le top. Donc du coup, ça, je vais pas le recommander parce que ça a pas l'air solide. Par contre,
heures comme ça et que vous avez quelques petits linges que vous voulez faire sécher rapidement, ça peut être pas mal aussi. Donc ça, pourquoi pas. Par contre, je trouve que c'est ultra cher pour la taille. Donc à voir. Un panier flexible, ça, c'est le genre de truc qui pourrait bien me servir. 5 euros. Parce que c'est vrai que c'est le genre de truc que je pourrais garder à la maison. Ah, ça, je vais réfléchir. Parce que si je vais voir les légumes, je regarderai ça en même temps. Alors, ici, des cintres, on en a plein. Donc, non. Une housse pour vêtements, j'utilise jamais ça. Donc, non. Une housse pour couette, je viens d'acheter des housses sous vide qu'il faut que je teste. Donc, non. Pas pareil pour celle-là, parce que j'en ai déjà acheté. Un portant à vêtements, ben, on en a déjà. Donc, du coup. Étagère à chaussures. Alors j'avais déjà expliqué que nous, vu la taille de nos pieds, je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment bien et qu'en plus de toute façon on en a déjà. Alors ici, un rasoir anti-bouloche, ben non, parce que j'ai peur d'abîmer le tissu avec. Un panier à linge, non, parce que c'est pas assez respirant. Des corbeilles, elles sont mignonnes mais j'en ai pas besoin, donc non. Des crochets de radiateur ou crochets de porte. Alors ça pourrait me servir. Faudrait que je vois si ça passe dans ma salle de bain. C'est quoi, c'est 3 euros le lot. Faudrait que je regarde parce que moi, j'accrocherais bien quelque chose comme ça derrière ma salle de bain pour mettre mes écharpes et mes foulards que je mets régulièrement vu qu'on est en hiver. Donc à voir. Poule pour sèche-linge. Remplir d'eau et placer dans le tambour du sèche-linge avec le linge à sécher pour réduire les plis. Moi, j'ai pas de sèche-linge, donc problème résolu. Alors, un balai électrique sans fil. Ben, non. Parce que ça, en fait, j'ai pas compris le principe. C'est quoi, c'est un petit aspirateur? Enfin, moi, je prends ça pour un petit aspirateur, mais du coup, je vois pas trop l'intérêt, vu que j'ai déjà un aspirateur, et puis ça a pas l'air d'avoir une grosse autonomie. Je sais pas, ça, je suis assez mitigée. Si vous l'achetez, vous me direz, mais... Moi, j'avoue... Je suis pas très convaincue. Où est-ce que j'en suis dans les pages? Oh là là. Bon. On va continuer. Donc, marmiton, les meilleures recettes, pâtisserie et dessert. Non, parce que j'irai directement sur le site. Livre de pâtisserie express. Non, parce que j'irai directement sur marmiton. Boîte à biscuits. Non, j'en utilise jamais. Par contre, ma belle-mère, la mère de mon amoureux, c'est typiquement le genre de truc qu'elle adore. Donc je lui demanderai si ça l'intéresse. Gobelet mélangeur anti-éclaboussure. Non. Bol mélangeur gratuit. Non, on en a déjà. Un plateau. Alors ça, je vais peut-être aller voir, parce que mon beau plateau que je m'étais acheté, il a été réquisitionné pour de la connerie. Et ça pourrait remplacer ce pourquoi elle est... Enfin, vous comprenez rien à ce que j'explique. En gros, j'avais acheté un plateau. Pour moi, pour emmener dehors. Mais mon amoureux a mis plein de merdier qui traînait dans la cuisine dedans et du coup je peux plus l'utiliser. Donc si j'achète celui-là, je pourrais mettre les merdiers dedans et récupérer le mien. Donc à voir si je fais ça. Pareil, c'est si je vais chez Lidl. Ici, des moules à revêtement céramique. Non, j'en ai pas besoin. En porte-pièce. Non, j'en ai déjà commandé. Tout ça. Non, j'en ai pas besoin. Ensuite, un set de cuisine. Non, j'en ai pas besoin. Des torchons de cuisine. Franchement, celui-là, il est ultra mignon. Donc, à voir, parce que mon frère en aura peut-être besoin. Dessert de cuisine. Non, on en a pas besoin. Une nappe, non plus. Encore que, franchement, elle est vraiment assez mignonne. Donc, si vous en voulez une pour Noël. Et en plus, ils ont d'autres motifs, si jamais ça vous intéresse. À voir. Alors, ici, un cuit-vapeur. Ben, non, j'en ai déjà. Un hachoir multifonction. Non, parce que j'utilise autre chose pour hacher. Une batterie externe. Ben non. Une multiprise. Non. Cap de charge et synchronisation. Non. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà. Enceinte Bluetooth. Non, parce que mon amoureux a déjà des enceintes de la marque Bose, donc on n'en a pas besoin. Pile rechargeable. Non. Casque Bluetooth. Non, j'en ai pas besoin. Et ici, nous avons donc des t-shirts, des slips, des boxers et des chaussettes pour hommes. Non, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Des débardeurs, soutien-gorge, hipster, c'est quoi, c'est ça? Slips et chaussettes pour femmes. Non, parce que j'ai tout ce qu'il me
Et puis je vous...